le vendeur ce midi sur la canne. Bonjour à toutes et à tous. On a un temps pas trop agréable. Pas trop agréable du tout. Temps couvert à pluvieux, une température extérieure à 14 degrés, une température de l'eau à 14 degrés, une marée qui est en train de redescendre, le plein bas est à 16h40 avec des petits coefficients de 55, donc tout petit coefficient, mais c'est comme si on avait de gros coefs parce qu'il n'y a pas le moindre bout de plage maintenant. Et on a donc le vent qui s'est un peu calmé, mais qui est tout le temps orienté ouest-sud-ouest et qui est tout le temps fort. Dans les 6 à 7 Beaufort, il y a plus 8 à 9, un plan d'eau en vrac, et une houle à la hausse longue de 10 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest, ouest-sud-ouest à ouest-nord-ouest, pardon. Il y a 2,50 maintenant, 2,50 en 2,30 à 2,50 en déferlement régulier, 2,80 à 3 mètres aussi. Ça en vrac, c'est tordu, c'est moche, c'est pourri, il n'y a pas de surf et pas d'action. Bien à l'abri, on peut regarder une mer relativement déchaînée, mouette en l'air, saletant en mer. Évolution pour le reste de la journée, ça va grossir. La bouée Arcachon est à la hausse, étant passée de 4 mètres et 7 secondes ce matin à 5 mètres et 8 secondes maintenant. Le vent, lui, va se calmer un petit peu. Donc à 13h, 2,50 à 3 mètres, ouest-sud-ouest à ouest-nord-ouest, 10 secondes de période, vent ouest-sud-ouest 6,7, et à 17h, 3 mètres, 3 mètres 50, peut-être 4 mètres à confirmer, ce n'est pas certain. Ouest-sud-ouest à ouest-nord-ouest, 11 secondes de période, vent ouest-sud-ouest 5,6, attention au coup de vent qui va se renforcer dans la nuit de dimanche à lundi avec une dépression qui va rentrer dans le golfe de Gascogne en creusant dans les 965 hectopascales avec des vents prévus en fin de nuit, tout début de matinée, dans les 100 km/h. Attention, attachez tout avant de vous endormir ce soir. Prochain point demain matin à 7h50 dans le vent.